Je pense que l'organisation qui a été menée pendant tout le week-end est une super organisation. Il y avait plus de 50 points sur la ville d'Épinay-sur-Seine où les enfants et les adultes pouvaient venir effectivement pour pratiquer du sport. Je voudrais bien sûr remercier le CSME. Ça permet de rassembler l'ensemble des sections du CSME. Remercier Thénin et Denis Tourteau pour leur engagement sans faille. Je dois bien sûr remercier aussi le Handy Basket pour leur démonstration sur la place de l'Hôtel de Ville. Remercier les associations sportives. Tous les éducateurs de l'EMS qui étaient là aujourd'hui, un samedi, un dimanche, bravo à vous. Remercier l'ensemble des services de la ville, mais je vais m'arrêter après. La cuisine centrale qui vous a restauré aussi, parce qu'ils étaient là pour vous préparer des sandwichs. Le service communication, les relations publiques et l'ensemble de tous les partenaires qui nous ont accompagnés. Sans vous, rien n'était possible. Là, c'est une nouvelle dynamique. C'est que le début. C'est une première depuis très longtemps, je le disais. Il faudra continuer l'année prochaine pour arriver à ces Jeux Olympiques de 2024, de telle façon que la ville d'Épinay-sur-Seine, elle doit être très engagée dans ces Jeux Olympiques. Elle doit participer. Nous avons toute notre place. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à toutes celles et tous ceux qui ont participé et surtout à tous les parents qui ont accompagné leurs enfants tout au long du week-end.